Alors, dans la fin de cette première capsule qui porte sur la révolution industrielle, nous allons faire un léger retour sur le cours 1 qui concernait en fait les principales causes de la révolution industrielle. Nous avons vu que tout d'abord, la révolution industrielle, elle a un contexte agraire, elle a un contexte agricole qui fait en sorte que les changements sont possibles. Et d'ailleurs, nous avons vu en classe que c'est par le biais de trois principaux éléments qu'on permet de passer une agriculture qui ressemble un peu plus à celle du Moyen Âge à une agriculture qui est plus développée, qui va permettre de produire davantage. La rotation des cultures, en fait, permet non seulement l'appropriation de nouvelles cultures, telles que le maïs et la pomme de terre, mais elle permet une alternance des terres qu'on cultive. Par exemple, on peut exploiter du trèfle alors que par la suite, on y exploitera la pomme de terre et on fera ça ainsi de suite. Ça permet un enrichissement du sol qui est vraiment vital, qui permet d'avoir un meilleur rendement. D'ailleurs, les nouvelles cultures américaines, eh ben oui, non seulement elles produisent beaucoup, mais elles produisent grâce à des machines telles qu'entre autres la batteuse à foin, qui sont évidemment qui fonctionnent à la vapeur et qui permettent même d'éliminer certains emplois. Donc, on est en train d'automatiser un peu l'agriculture. Évidemment, ça va forcer ces paysans-là, souvent qui ont vendu les terres ou qui exploitent les terres, à migrer vers la ville. Donc, nous avons parlé de l'importance des vagues migratoires. D'ailleurs, on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants hein, qui vont venir s'installer comme ça en Grande-Bretagne. La population va presque s'intupler. En tout cas, juste pour Londres, elle va quadrupler en l'espace de 100 ans. Donc, il y a un passage très marqué. Faut pas oublier aussi que l'enclosure va modifier le territoire et va faire en sorte que, comme nous l'avons vu, les riches propriétaires terriens vont aller racheter les terres, les parcelles de terre pour lesquelles les migrants se déplaceront vers les villes, un peu appauvris par ce système-là, parce que bon, on sait que c'est pas toutes les terres qui étaient aussi productives les unes que les autres. D'ailleurs, à cet effet-là, même juste pour vous mentionner, c'est à peu près vers 1840 qu'on va développer l'engrais. Et donc, non seulement on aura les outils qu'on a vus tout à l'heure, mais on aura aussi des techniques nouvelles, parce que beaucoup de chimistes à l'époque, surtout les Britanniques, sont très forts là-dessus. Donc, on a parlé de migration vers les villes. Évidemment, ce bassin de travailleurs-là va constituer une belle main-d'œuvre pour les riches bourgeois aussi qui auront développé leurs capitaux dans des nouvelles usines, donc pour évidemment y tirer un maximum de profit. Évidemment, on verra dans les prochains cours que le mode de vie en ville versus le mode de vie à la campagne, eh ben c'est très différent, il est très caractériel, très caractérisé par des choses. On a vraiment une cassure entre le mode de vie à la campagne et le mode de vie à la ville. Donc, super important aussi de mentionner que dans un contexte technique aussi, on développe de nouveaux savoir-faire. On l'a vu entre autres sur le plan agricole par le biais de techniques agricoles, par le biais de savoir. Et bien aussi, ça sera le développement de la machine à vapeur et l'expansion de la métallurgie. Donc, l'exploitation du charbon devient plus intéressante que le bois. Le bois est très dispendieux et on préférait le garder pour les bateaux. Évidemment, comme roche sédimentaire combustible, sa combustion permet de donner un rendement vraiment intéressant. On chauffe ensuite le charbon dans une chaudière pour atteindre à peu près une température de 350 degrés Celsius. Cette eau-là est transportée dans des cylindres qui sont poussés ensuite dans un tiroir qui active des pistons grâce à une bielle qui permet de former le mouvement circulaire des roues que vous avez vu à l'écran. D'ailleurs, toujours sur le plan technique, James Watt va perfectionner la machine à vapeur. Il transforme en fait la machine à vapeur en un moyen plus fiable et un meilleur moyen économique. D'ailleurs, il développe un système de condensation qui va être différent et qui va augmenter l'efficacité de la machine. Puis d'ailleurs, c'est lui qui va faire breveter la première locomotive environ vers 1784, donc quelques années après avoir développé le système à vapeur. Bon, évidemment, pour faire les pièces de cette machinerie-là, eh bien, ça va prendre des instruments et la métallurgie va se développer énormément à l'époque. Et on compte évidemment sur les alliages, entre autres avec l'acier, pour être capable de former de la matière plus résistante. En fait, c'est important de savoir que c'est avec l'acier qu'on va pouvoir faire, entre autres, les rails de chemin de fer, grâce à un alliage de fer et de carbone. C'est aussi avec on peut faire des alliages avec la fonte, par exemple, qui est un alliage de fer et de carbone, mais dont les pourcentages vont varier.
Et ça, pour optimiser cette production-là, évidemment, dans le passé, nous avions les forgerons. Et bien là, maintenant, on a des ouvriers qu'on retrouve en usine qui vont inventer finalement deux nouveaux outils qui fonctionnent eux aussi à la vapeur. Et c'est le cas du marteau pilon de Nasmyth, qui en fait permet de frapper de façon très précise des matériaux. En fait, c'est environ une masse qui va varier de 2,5 tonnes environ sur un espace de 2 mètres et on perfectionnera cet outil-là au fil des ans pour atteindre jusqu'à 1000 tonnes et là on parle environ de l'année 1841. Évidemment, ça c'est ce qui nous permettait de faire entre autres les roues de fer forgé des locomotives et grâce à ces alliages-là, ben, évidemment, on a pu développer de plus en plus de machines à l'époque. Donc, on voit dans l'extrait vidéo suivante qu'on est capable de créer une pression finalement sur la pièce sur laquelle on travaille, qui est en fusion, qui est une température très élevée. Et là, bon, on voit quelques ouvriers, mais quand même, ça vient permettre de produire des pièces plus rapidement que dans le passé, évidemment plus durables aussi et de plus grand volume. Donc, on a un poids immense qui fonctionne grâce à la vapeur dont nous avons finalement des chaudières avec du charbon de chaque côté. On le voit pas ici dans l'image, mais nous avons des ouvriers qui alimentent ces chaudières-là pour être capables de frapper les pièces ensuite. Sur le contexte économique, évidemment, on peut constater dans la légende de la carte ici présente que les métropoles européennes vont accroître leur influence à l'extérieur de leur territoire, proprement dit, à l'extérieur de leur continent. Et évidemment, parmi celles-là, celle qui nous intéresse présentement, c'est évidemment la Grande-Bretagne. Les Anglais développent des colonies un peu partout à travers le monde. D'ailleurs, on dira que cet empire-là, ben, le soleil ne se couche jamais. Donc, le soleil ne se couche jamais sur son empire, tellement il est grand et il est vaste, et qu'il s'étend en fait pratiquement sur tous les continents du monde. Donc ça permet aux métropoles de concentrer les capitaux. Et si aujourd'hui on a encore des pays qui sont aussi riches, c'est grâce entre autres à l'exploitation qui a été faite dans le passé, sur lequel ils ont bâti leur richesse durant le 18e et 19e siècle particulièrement. Donc ça permet à cet empire-là de bâtir une immense quantité de richesses et de capitaux. En 1776, en pleine révolution américaine, l'anglais ou l'écossais plutôt, Adam Smith, va mettre en place une nouvelle théorie dans son recueil qu'il nomme La richesse des nations. Évidemment, il met de l'avant un libéralisme économique. On est dans un contexte des Lumières, la liberté est vraiment importante, mais pour lui, on peut le voir comme un premier traité économique parce qu'il s'intéresse particulièrement à la liberté d'entreprise, à la libre concurrence et à la liberté des échanges. Et pour Adam Smith, le gouvernement doit faire le moins d'interventions possible pour pas nuire aux individus. Alors, comme nous avons pu voir dans la présentation, la révolution industrielle va marquer profondément tout l'ensemble des continents, en fait, et la société anglaise en particulier. On a vu que les artisans qui n'étaient plus capables de répondre à la demande, et non seulement ça aussi pour les paysans de produire les terres, ont quitté la campagne pour aller en ville. Et maintenant, ils ne peuvent répondre à la demande non plus parce que l'augmentation de la population fait en sorte qu'il faut produire davantage. Les usines qui ne peuvent répondre à la demande non plus, ben, ils n'ont pas le choix, elles doivent embarquer dans un mouvement industriel où on doit mécaniser la production pour produire davantage.